Ça comme lui, si j'y ai, viens de... Ah, bien sûr. Viens voir sur scène, maintenant. Ah bah oui, là. Quoi? Tu te présentes tout de suite. Même si c'est pas lui qui parle maintenant, mais... Oui, mais tu le présentes au moins. Oui, mais attends, ça me sera peut-être embarrassé d'être sur scène, je sais pas. Je vais le présenter. Quoi? Tu as un micro? Tu aurais un micro? Attention du vélo, on va voir le film, et oui. Puis on fait une rencontre avec vous entre les... Voilà, vous faites juste une présentation pour le moment. D'accord. Merci. Voilà, bonsoir à tous. Quelques mots de bienvenue, quoi, une soirée de cinéma est consacrée au vélo, dans une grande salle de cinéma. Et pourquoi un hommage à Maurice Isier, que je vous présente, qui est un des rares coureurs drômois de l'histoire du cinéma. Français, il n'y en a pas beaucoup. Et... Non, non, il y en a très peu. Il y a Bernard Vallée, Charlie Montet, ensuite. Voilà, donc 3 ou 4. Il y a un petit jeune aujourd'hui. Il y a eu René Privat aussi. Mais il était Ardéchois. Il était Ardéchois quand même. Oui, oui, Neuchâtel. Et 3 Drômois, 3 grands coureurs, c'est ça qu'il faut dire. Ouais. Merci. Donc évidemment, comme c'est une soirée de vélo, on parle différemment. Peut-être que c'est un peu plus débridé quand on parle de cinéma. Gérard Courant, on l'a peut-être croisé tout à l'heure, et dans la journée, il est cinéaste. Vélodidacte, un peu hagard, mais vélodidacte ordonné, grand archiviste qui en connaît, c'est le cas de le dire, un rayon sur le vélo, beaucoup plus que moi, et bah, je suis très étonné. Donc on va travailler un peu en tandem, ça va se présenter en 3 temps. On va d'abord, je vais vous parler 4-5 minutes, pour des rapports comme ça entre le cinéma et le vélo, et cette passion du vélo. On va avoir 2 courts-métrages, et puis on aura une rencontre entre vous et Maurice Isier, qu'on va lever tous les deux, avec l'espérance aussi Dominique Floraison, journaliste sportif au Dauphiné Libéré. Et dans le 40 minutes, rencontre avec Maurice, et on termine avec un film de Luc Moulet qui s'appelle Parpaille. Voilà. Alors peut-être deux petits mots, quand même, un peu d'explication. Bonjour. Le voilà, Dominique. Salut. Excusez-moi. Tu arrives pile. On démarre seulement. Voilà. Bon, d'abord, on avait envie de faire cette soirée aujourd'hui, parce que demain, elle démarre. Très grande course cycliste qui s'appelle le Critérium Dauphiné Libéré, que vous connaissez sans doute. Comme ceux qui ne connaissent pas bien le monde du vélo, les courses cyclistes par étape commencent toujours par un prologue, c'est-à-dire un petit contre-la-montre, une distance relativement courte. Et bien, nous faisons notre prologue à nous, en reprenant l'image. Et puis, soirée cinéma vélo dans une manifestation qui est consacrée au territoire, c'est presque une évidence. Il y a un fort rapport entre le vélo et le territoire. À la différence de beaucoup de sports, se déploie à l'air libre, c'est pas un sport de stade, c'est pas un sport de lieu clos. Et on attendait les coureurs au pied d'une côte, une des premières côtes du parcours, elle s'appelait la côte d'Isier. Isier étant le petit village au-dessus. Et tu m'as dit que tu ne la connaissais pas cette côte, mais il l'a faite. Rapport entre la géographie, le territoire et le vélo, qui mieux qu'un coureur cycliste connaît le territoire? C'est son lieu de travail, le territoire. Les coureurs cyclistes ne sont pas uniquement des gens qui font des courses. Quand ils n'en font pas, il faut entretenir la condition. Donc il faut s'entraîner. On s'entraîne où? Près de chez soi. Je pense qu'il n'y a personne d'autre qu'un coureur cycliste à mieux connaître le territoire local, régional, parce qu'eux, ils l'ont dans leur corps. Le territoire entre dans leurs gens, dans leurs muscles. C'est leur lieu d'entraînement. Et autre rapport entre le cinéma et le vélo, c'est quand même assez flagrant. Ce sont deux arts populaires, ce sont deux arts qui reposent sur le même principe, c'est un principe physique, c'est ce qu'on appelle dans le temps, ce que j'ai dit au cours de mathématiques physiques, la loi de Joule. C'est-à-dire que ce sont deux sports, deux arts, où ça consiste à mettre du vivant sur du mécanique. Tout corps au travail suscite une énergie, c'était ça la loi de Joule qu'on nous apprenait petit. Tout corps au travail suscite une énergie, c'est la définition du vélo. Il y a beau y avoir une belle mécanique, mais une mécanique quand même, s'il n'y a pas un corps dessus. Ça ne marche pas.
Et le cinéma, c'est la même chose, du vivant et du mécanique. Et puis, autre point commun, on a beaucoup parlé l'année passée dans cette manifestation, encore cette année-ci, de la question du commun, justement, de ce qui crée du lien, de ce qui crée du commun. Il n'y a pas d'autre sport aussi populaire que le vélo, il n'y a pas d'autre sport à créer autant à ce point du commun. Si vous avez déjà fait l'expérience d'aller voir une course cycliste, non pas à la télévision, par ailleurs c'est magnifiquement filmé, mais au bord de la route, ben vous avez peut-être 10 minutes de spectacle, incluant tout, hein, les premiers coureurs qui sont échappés, la caravane publicitaire et puis le dernier. Oui, mais le spectacle complet, ça dure 3 ou 4 heures, on attend. Aller voir une course cycliste sur le bord de la route, c'est attendre d'abord. C'est 2 heures ou 3 heures d'attente. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on attend? On parle. On parle avec les vieux du village, on parle avec les gamins. Tout le monde est ensemble, les vieux vous disent que c'était mieux avant, qu'on voyait mieux à la radio, qu'ils avaient mieux les coureurs d'antan, les jeunes écoutent parler les vieux, et puis on parle de quoi? Ben, l'histoire de vélo, et ça crée du lien. Moi, c'est un de mes grands souvenirs d'enfance dans ce village, on avait congé ce jour-là, et les ouvriers municipaux ne travaillaient pas, il y avait même le curé qui venait, qui disait des conneries, le type, ils ont mis leur beau maillot de dimanche, c'était pour eux, ça créait la circulation de la parole. Voilà, c'est un art public, c'est un art du commun. Et je pense que ce n'est pas pour rien que dans la littérature, dans la peinture même, et dans le cinéma, c'est un sport qui a beaucoup été travaillé, plus que d'autres sports. Et pour une raison toute bête, c'est parce que là, on trouve des héros incroyables. Il faut se les farcir quand même, l'école, le filet, le taret, Galilée. Il y a quelque chose d'héroïque dans leurs histoires. Il y a quelque chose qui transporte de vieilles valeurs populaires. Après tout, la plupart des coureurs cyclistes, ce sont des gens qui viennent du peuple. Et qui s'élèvent par l'effort, par le sport, qui élèvent leurs conditions, il y a quelque chose de métaphorique. Moi, ça me frappe toujours. La plupart des coureurs sont des fils de fermiers, sont des fils d'ouvriers. Et lorsqu'on regarde une course cycliste à la télévision aujourd'hui, c'est peut-être, au-delà du sport filmé, c'est peut-être aussi un vrai documentaire social que nous voyons. C'est peut-être le dernier lieu où on voit à la télévision. Ben, la classe ouvrière en mouvement. Là, elle existe. Parce qu'être coureur cycliste, ce n'est pas qu'être en sportif, c'est travailler. C'est un travail, c'est un métier. C'est un métier de chien, parce qu'on est dehors par tout le temps. On fait ses 8 heures. Et j'en termine en disant qu'il y a un rapport direct, c'est que la plupart des équipes cyclistes, elles sont construites presque chacune autour d'un chef d'atelier, qui est le leader, et puis les autres, les équipiers, chacun sa spécialité. Il y a quelque chose qui a à voir, sans jeu de mots ou avec jeu de mots, avec le travail de la chaîne. Oui, une chaîne dans le vélo, c'est un peu la même chose. Il y a tout ça, si vous voulez, c'est tout ça que charrie les courses cyclistes. De la géographie, de l'histoire, un rapport au peuple, un rapport au commun, dont ces coureurs sont pour moi les grands héros de mon enfance, donc de nos histoires, de notre temps. Je trouve que c'est beaucoup plus qu'une simple histoire sportive. C'est de ça dont vont parler les trois films que nous allons voir. C'est évidemment de ça, plus de sa carrière, que nous allons parler avec Maurice, que je remercie vraiment de sa gentillesse. C'est quelque chose de troublant quand même, je l'ai appelé depuis la Belgique, je ne savais pas qui j'étais, et on a parlé tout de suite pendant un quart d'heure, 20 minutes, d'Eddy Merckx, de Jan Janssen, de coureurs de l'époque, comme si on se connaissait depuis toujours, et je pense qu'en fait on se connaît depuis toujours, puisque nous avons aimé les mêmes choses, suivi les mêmes courses, mis les affaires que je regardais, ou les écoutais à la radio. Il y a quelque chose qui déjà était de l'ordre du commun. Voilà, c'est une manière de parler du vélo, tout à fait celle de l'équipe. Moi, ce qui m'intéresse dans le vélo, ce n'est pas seulement les performances. Alors je remarque, et j'en termine avec ça. Je pense que c'est une belle idée. Dans le sport cycliste, ceux qui aiment ça, qui vont voir les courses, ils connaissent tous les coureurs. On ne s'intéresse pas uniquement au premier. On s'intéresse à celui qui perd, regardez, où il dort. On s'intéresse aussi au dernier. On connaît aussi le dernier. Et l'expression lanterne rouge, qui désigne le dernier du classement, elle vient du sport cycliste. Parce que peut-être dans ce sport-là, même le dernier fait de la lumière. Voilà. De toute façon, on va pas passer du tout. Merci. Je voulais exprimer un peu de passion, parce que c'est ça aussi le cinéma, et que moi j'ai un immense respect pour ces personnes qui m'ont éduqué, de certaine manière, qui m'ont appris beaucoup de choses. Autant peut-être que le cinéma. On va donc voir deux films. Je ne sais pas dans quel ordre. Je cherche quelqu'un qui peut. Je pense que c'est d'abord le film de Nicolas Philibert, qui s'appelle Vas-y la pépille. La Pépille étant le dernier coureur français vainqueur du Tour de France avant-guerre, donc Roger La Pépille, à ne pas confondre avec La Pépière, et donc qui a été un des coureurs les plus populaires. C'est un documentaire sur un coureur, mais c'est aussi un documentaire sur la culture du vélo. Nicolas Philibert, vous le connaissez peut-être de nom, oui, j'espère de vue, d'avoir vu ses films.
Le Pays des Sourds, La Ville Louvre, Grand comme le film qu'avait été à voir. Bon, c'est un des grands cinéastes documentaristes français d'aujourd'hui. Ça me touche beaucoup qu'il ait commencé, c'est son premier film important. Ben justement, lui qui a toujours été à la recherche quand même des cultures populaires, il a commencé par faire un film sur le sport cycliste. Le deuxième film est un film que moi j'ai pas encore vu, qui est un film sur le Tour de France de 62 et pas de 66, que l'on a marqué malheureusement, comme je l'ai écrit maintenant contreusement dans le programme, qui est un film de Louis Malle. Ça fait 40 minutes ensemble, les deux films, et donc vers 9h15, 9h20, on passe une petite heure avec Maurice Isier, et puis on verra par paillon de Luc Moulet, dont on parlera brillamment Gérard Courant, qui non content d'être cinéaste, était acteur et cycliste dans ce film. Modeste. Voilà, à tout à l'heure. Qui pourrait donc ce dernier film. Je propose que la... Je mais bon, évidemment, on s'en fout. Le film parle d'autre chose, il parle des conditions de travail, parlant de la dureté de ce sport et de sa culture, c'est d'abord la course de l'intérieur. Alors j'ai envie de demander comme première question, ça vous inspire quoi ces images? Parce que là, vous n'êtes pas dans ce Tour de France là, vous en avez ça à celui-là. Et voilà, vous voyez votre vie, votre métier, votre vie de travailleur sur le roue. Oui, c'est vrai que ces images m'ont frappé quand même, parce que je crois que je ne suis jamais allé au bout de moi-même, ou alors il y avait quelque chose, parce que je ne me suis jamais vu dans un état pareil. Voilà ce que ça m'inspire, les premiers commentaires. Mais pourtant, ce n'est pas les acteurs. Hein. Oui. On les reconnaît. Alors, je pense que Maurice a défoncé tout autant sur le vélo. Et c'est vrai qu'il y a un mot qui vient à l'esprit immédiatement, c'est respect. Et moi, je suis, par rapport à la présence de Maurice, je suis impatient de connaître un petit peu justement sa relation par rapport au pays qui est le sien, hein, l'île Saillant, la montagne d'Iwaz avec des lumières magnifiques, toutes ces choses-là. Et alors je sais que quand on s'entraîne sur un vélo, on n'est pas dans le cas de Maurice un cyclotouriste, mais on travaille beaucoup, l'intensité, etc. On a souvent le nez dans le guidon, mais il va nous donner la réponse. Je pense que je suis quand même persuadé que quelque part, on est sensible au paysage que l'on traverse grâce à ces bicyclettes. Et ce que j'aimerais savoir, c'est si effectivement il y avait une relation vraiment physique avec les routes qui étaient sa vie d'origine, si c'était vraiment les routes de sa préparation la plupart du temps, ou si d'autres endroits lui servaient davantage pour se préparer physiquement. Et c'est vrai que je me préparais surtout dans ma région. On n'avait pas la chance à ce moment-là de rencontrer beaucoup de cyclotouristes et de cyclistes en général. Et donc il fallait se débrouiller par soi-même, donc il fallait avoir la volonté de partir tous les matins à faire du vélo. Et bon, c'est vrai que j'ai apprécié toute la région, puisque je connais toutes les routes par cœur. Et j'étais vraiment bien que dans mon pays, j'ai gagné beaucoup de compétitions dans ma région, surtout en amateur, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que le fait d'appartenir à un pays de montagne, ça, forcément, ça forge le mollet d'un grimpeur, ou bien, bon, génétiquement, on n'y peut pas forcément grand-chose, ou ce qui vraiment le relief a une importance pour déterminer le profil du futur champion. Je pense qu'il y a un peu de génétique qui y fait, mais bon, on appréhende quand même beaucoup moins lorsqu'on est habitué à monter des cols régulièrement. Qu'est-ce qui peut décider un gamin? Parce que quand on commence, quand on est coureur cycliste, les gens, vous voyez là à l'écran, ils ont commencé très jeunes, c'est pas du jour au lendemain. Généralement, on commence vers 14, 15, 16 ans, on court chez les cadets, puis on passe, on change de catégorie, et un jour, peut-être, certains accèdent au statut professionnel, donc ça devient avant leur métier. Il faut quand même être un peu cinglé pour faire ça. Quand on voit comment souffrent les gens là à l'écran, par tous les temps, la souffrance, le dopage, tout, ce qui parle de tout, c'est assez étonnant. Qu'est-ce qui peut décider? Parce qu'on ne se rend pas compte, c'est ça qui est le plus fort, c'est qu'être coureur cycliste, ça dure jusque 34, 35 ans, disons, pour faire court, mais ça commence à 14 ans. Ça veut dire qu'on démarre, on entre dans l'adolescence, et jusque 34 ans, on ne fait que ça. C'est-à-dire que c'est quand même les plus belles années de votre vie, que vous passez sur un vélo plutôt que d'aller courir des filles, je sais pas, ou de faire des choses plus agréables peut-être, il faut quand même... On pense pas, ça c'est quand même... Oui, on a passé vos belles années sur deux roues, voilà. C'est ça que ça veut dire, pourquoi on fait ça? Oui, c'est ça exactement. On pense qu'on a manqué une partie de son adolescence, bien sûr. Mais bon,
pilote. Ben, quand on est sportif, c'est quand même, il faut l'avoir dans le sang pour pouvoir faire des sacrifices. Et vous, alors, qu'est-ce qui vous a décidé? Alors, j'ai toujours été attiré par le cyclisme. J'ai commencé très tôt, à l'âge de 13 ans. Mon idole était Jacques Anquetil à ce moment-là. Et puis, je rêvais de l'imiter, sans penser pouvoir arriver à le côtoyer beaucoup plus tard. Donc, très tôt, j'ai fait du vélo, j'ai fait beaucoup de courses à pied aussi, mais enfin, je faisais surtout du vélo. Et vous, à la différence de beaucoup de gens, vous avez arrêté votre carrière à l'âge où aujourd'hui, en tout cas, les gens commencent, les coureurs arrivent à maturité. La maturité pour un coureur cycliste, c'est pas 20 ans, c'est 27-28. Et en consultant votre palmarès, à partir de 1970, donc vous avez quel âge en 70, 28 ans, 27 ans, 26 ans. Et visiblement, vous avez arrêté, on a envie de dire, dans la force de l'âge, et vous avez arrêté après quand même. C'est vrai, mais c'était une belle victoire. Pour ceux qui ne savent pas, M. Lizy a quand même gagné une étape du Tour de France. Ce n'est pas rien, beaucoup de gens ne peuvent pas dire déroutant. Il a été deuxième dans le championnat de France, donc c'est quand même des belles prouesses. Il a terminé dans les 10 premiers du Tour de Romandie, par exemple, qui est un cours extrêmement montagneux. Voilà, donc, et vous arrêtez au moment où. Oui, c'est vrai, c'est un peu le contexte. Vous voyez, allez-y. Simplement, deux, trois petites choses, c'est qu'à l'époque, il y a beaucoup de coureurs qui arrêtaient très jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, tu dis 34, 35 ans, il y a une organisation du cyclisme qui est complètement différente. Les gens sont salariés, ils ont des contrats au moins souvent de 2 ans. Maintenant, c'est même obligatoire, quand on est professionnel, on a des contrats de 2 ans. Alors qu'à l'époque de Maurice Cizier, vous couriez à la musette. Quand je dis vous courir à la musette, c'est-à-dire que vous n'étiez même pas salarié avec De Gribaldi, par exemple. Avec De Gribaldi, non, on n'était pas salarié du tout. On courait à la musette, c'est le cas de dire. On était payé souvent en nature. Oui. De Gribaldi, ça se passait comme ça. Des frigos, des machines à laver. Des machines à laver, des télévisions, qu'on essaye de revendre pour se faire quelqu'un là. Et donc, c'était complètement différent. Oui, il y a plein de coureurs de talent qui ont arrêté jeunes, Jean Dumont, on pourrait en citer plein, des types qui aujourd'hui commenceraient leur carrière. Aujourd'hui, quand on dit 26 ans, souvent, ils sont des jeunes professionnels. Et souvent, les coureurs commencent à gagner des grandes courses à 30 ans aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, il y avait beaucoup de coureurs à 30 ans, ils avaient fini leur carrière, ils passaient à autre chose, ils entraient dans la vie active, dans la vie sociale normale, entre guillemets. Donc vous avez arrêté ça. Mais il a quand même couru 5 Tours de France et terminé les 5 Tours de France. J'ai terminé 5 Tours de France. Donc, d'affilée. D'affilée. Oui. Et vous avez eu la chance de courir deux des Tours de France les plus extraordinaires de l'histoire. Le Tour de France 68, donc qui a été gagné par Jan Janssen, qui était votre ancien leader. Et là, je voudrais avoir votre point de vue, parce qu'on dit, tout le monde dit que le Tour de France 68, c'était le seul Tour de France de l'histoire qui a été couru à Leclerc. Suite à la mort de Simpson l'année d'avant, donc il y a eu une charte, c'est-à-dire que tous les coureurs au départ du Tour à Vittel, ça ne s'arrête pas, le Tour de France partait de Vittel cette année-là, donc tous les coureurs avaient décidé de ne pas se doper. Alors il y a eu, je sais, quelques coureurs qui se sont dopés, parce qu'il y a eu quelques coups. Il y a toujours quelques triches. Il y a eu quelques coureurs mis hors course, mais on dit que d'une façon générale, c'était un Tour de France qui a été couru à Leclerc, alors que c'était un Tour de France qui était très long cette année-là, je crois qu'il faisait 4600 ou 4800 km, qui était l'un des plus longs de ces dernières années, qui faisait près de, je sais pas, 1300 km de plus qu'aujourd'hui. Et voilà, donc, est-ce que vous pouvez confirmer que c'était un tour, je ne parle pas pour vous, mais d'une façon générale, d'après ce que vous avez su, ça s'est vraiment passé à Leclerc? Ça s'est passé un peu comme ça, et c'est ce que je l'expliquais à M. Lepout. C'est que, moi j'avais été désigné comme cobaye par le docteur Maigre, qui suivait le Tour de France à ce moment-là, et qui était médecin du Tour de France. Et il avait pris Jean Dumont et Maurice Cizier à titre expérimental. Deux très bons coureurs. Et donc, on avait, pas juré, mais enfin, on avait promis de faire le Tour de France à Leclerc, comme on dit, simplement avec du café ou des vitamines. Et donc on y est arrivé, la preuve, on a pu finir. Et c'est vrai que quand je discute avec des gens, ils ne pensent pas qu'il est possible de faire un Tour de France aussi long et aussi dur sans rien prendre. Alors il y a une chose qui est intéressante, c'est que j'ai relevé dans la presse de l'époque, il y a des journalistes qui attaquent les coureurs en disant que ce Tour de France ne va pas assez vite. Et notamment, vous pouvez sans doute confirmer que les premières heures étaient assez lentes dans ce Tour de France-là. Et c'est un Tour de France qui s'est déroulé à 34 de moyenne, alors que certains Tours de France dans les années précédentes étaient montés jusqu'à 37. 37, 38. Alors, voilà, donc, c'est-à-dire que
il y a quand même des journalistes qui ont fait la fine bouche en disant bon, c'est bien gentil de faire le Tour de France à l'eau claire, mais on voudrait peut-être une vitesse plus rapide. Je ne sais pas, vous vous souvenez de ça? Il y a peut-être un peu moins de spectacle, mais la façon de courir était complètement différente. Mais c'était un Tour de France extraordinaire. Dans les années intérieures, on arrivait à rouler plus vite, oui. Et puis vous avez vécu le Tour de France 1969, le premier de Merckx, le plus extraordinaire de Merckx. Alors, racontez-nous ça, parce que le Tour 69, jamais un coureur a dominé le Tour de France comme Merckx. Et là, comment vous avez vécu ça, vous qui étiez au cœur du peloton? Est-ce que c'était terrible? Oui, c'était terrible. Mais c'était surtout qu'on n'avait pas bien l'occasion de le côtoyer, parce que Merckx avait la façon de courir d'être toujours dans les 10 premiers, avait une très bonne équipe aussi. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui voulait mettre la main à la fenêtre, comme on disait, ça ne mettait pas de bonne humeur, et il se mettait à rouler très fort, et il n'y avait plus personne derrière. Quoi. Et c'est vrai que bon, Merckx était quand même le cannibale, comme on l'appelait. Et vous, comment les gens réagissaient dans le peloton là? Ils devaient avoir une dent contre Merckx à la fin. Oui, bien sûr, mais bon, on essayait de ne pas trop le contrarier ou d'attendre le plus longtemps possible pour éviter les dégâts à l'arrivée. Alors, je ne sais pas, vous avez gagné, enfin, on peut parler, vous avez gagné l'étape du Tour de France. Dans le fameux Tour 1968, vous avez gagné l'avant-dernière étape. La dernière étape, oui. Racontez-nous ça, parce que là, c'est quand même, ça doit être un moment... Un grand moment. Oui, c'était un grand moment, surtout que, bon, il y a eu plusieurs attaques et c'était vraiment la dernière étape en ligne, donc il n'y avait plus le choix. Moi, j'avais mon collègue Dumont, donc, qui était mon ami en déplacement, qui n'était pas dans la même équipe, mais bon, qui était un peu de la même région, on se déplaçait toujours ensemble, qui avait gagné une étape. Et donc, je restais un peu sur ma faim et c'est vrai que j'ai attaqué plusieurs fois avant de pouvoir me libérer, de me retrouver tout seul, et puis vraiment loin de l'arrivée, à 80 km, donc. J'ai quand même bataillé un peu, j'ai eu des ennuis mécaniques en cours de route, j'ai dû changer de vélo deux fois. Et bon, et malgré ça, j'ai quand même résisté au retour des Allemands qui étaient derrière, enfin de Bouygues et de plusieurs coureurs. Et vous gagnez quand même avec 11 minutes d'avance au peloton. Non, pas 11 minutes. Sur le peloton. Sur le peloton, oui. Parce que l'Allemand est à 2 minutes, j'ai vérifié. Quand même. Non, le peloton était à 11 minutes, mais bon, ouais. les ténors se réservaient pour le contre-la-montre. Pour le contre-la-montre. Et c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de trop apprécier non plus, parce que c'est vrai que l'étape contre-la-montre était tout de suite là, donc il y a eu le podium, et puis ça a été assez rapide, donc le protocole a été un peu... Oui, mais c'est deux étapes dans une journée, c'était égal. C'était très rapide. Tout ça ne nous dit pas encore pourquoi vous avez arrêté si tôt. Alors j'ai arrêté si tôt, justement. Je sais maintenant. Non, mais c'est vrai qu'avec cette histoire de dopage aussi, où on était les cobayes avec Dumont, on était très mal vus par le reste de... Et c'est vrai qu'ils nous ont barré la route souvent les années suivantes et ne nous laissaient plus sortir du peloton comme on avait envie de le faire. On était un peu montré du doigt. Ah, parce que vous aviez accepté de jouer le jeu d'antidopage. Voilà, de jouer le jeu complètement pour l'antidopage. Ah. C'est vrai que bon, les générations de coureurs beaucoup plus âgées n'acceptaient pas ça. Et les images qu'on vient de voir du film de Louis Malle, est-ce que vous continuez à suivre un peu les courses, là, vous allez cette semaine suivre le Dauphiné Libéré, vous allez aller voir, il vous dit l'étape du Tour de France qui passe tout près à Montélimar, donc vous avez toujours de l'intérêt pour le sport cycliste. Est-ce que les images qu'on vient de voir sont des images d'un autre temps? Est-ce que des choses ont vraiment changé? Est-ce qu'on souffre toujours autant? Moi aussi, ça m'a étonné de les voir souffrir comme ça quand on regarde la télévision. Je tourne dans le sentiment qu'ils souffrent beaucoup moins. Donc peut-être à cause de ma meilleure médicalisation ou que sais-je, oui, je pense c'est quand même un autre temps ce qu'on voit. Il y a un suivi complètement différent. Si on parle de ravitaillement en course, on l'a bien vu. Là, si on manquait la musette, c'était la fringale automatiquement. Ou alors il fallait s'arrêter dans une épicerie, s'arrêter bon, pour prendre de l'eau, comme on l'a vu, même à mon époque. Et que maintenant, bon, ils ont tout ce porte-bagages de la moto, ils ont ravitaillement jusque dans les 15 derniers kilomètres, l'assistance de médecins en cours de route. Donc il y a beaucoup moins de défaillances. Et bon, ça fait beaucoup de différence avec notre époque. Ce qu'il faut quand même dire qui a beaucoup changé, c'est que vous, une fois que vous arriviez, donc d'abord les étapes étaient beaucoup plus longues qu'aujourd'hui, on s'est parfois 300 bornes, aujourd'hui quand on dépasse 200, c'est... Et on a fait des Tours de France sans repos du tout, et à la demande même des coureurs, parce que nous, le jour de repos n'était pas bénéfique, au contraire, il fallait quand même rouler, et donc ça ne nous apportait rien. Quoi. Mais après l'arrivée, c'était pas fini. Et après l'arrivée, c'était pas fini. Il fallait s'occuper de ses bagages. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'occupent, pour les coureurs, qui s'occupent de tout. Que l'étape est finie, c'est toujours si on ne vous lave pas dans la douche. Voilà. Là, d'abord, il n'y a pas de douche, il faut rentrer à l'hôtel. On rentre à l'hôtel, souvent on rentrait en vélo, parce que l'hôtel était des fois à 10 ou 15 ou 20 km. On n'avait qu'une voiture suivante ou même deux, mais enfin, il n'y avait pas la place pour tout le monde avec les mécaniciens et tout ça.
Donc il fallait des fois faire 20 km quand on est arrivé sous la pluie. Et tout. Il fallait quand même rentrer. Et à l'arrivée, on avait les bagages en bas. Il fallait monter les bagages en bas. Et on faisait sa lessive tout seul. Et enfin, on faisait payer comme on pouvait. Peut-être que j'ai la parole à vous qui êtes dans la salle. Tous les jours, on témoigne de ces épopées. Vous parlez. Il y a une chose, il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est que Maurice Izier a été 3 fois champion de France. Oui. Donc vous avez été champion de France cadet en 59, oui. En 59, et 2 fois champion de France universitaire. En 60 et 61. Voilà. Et comme professionnel, vous avez été 2e des championnats de France 1969, oui. À 60. À 60, oui. Derrière Raymond, Raymond Delisle. Et en 68, il y avait un championnat de France tout près d'ici, dans l'Ardèche, qui était un des championnats de France, à mon avis, l'un des plus difficiles des plus durs, de l'histoire, au niveau du parcours, un parcours terrible. Un parcours vraiment des grimpeurs. Et dans la presse, Maurice Izier disait, ah, ce championnat de France, il est pour moi, parce que je suis un bon grimpeur, je suis de la région, normalement, je dois faire un malheur sur ce championnat de France. Malheureusement, ce jour-là, il y a 2 coureurs, deux grands champions qui ont sorti le grand jeu. C'était Lucien Aymar et Roger Pargeon, 2 vainqueurs du Tour de France, qui sont partis de très loin, qui ont fait le ménage, mais vous avez fait 9e quand même. Oui, j'ai quand même fait 9e, mais la veille, bon, je ne sais pas si c'était la pression ou l'appréhension, mais j'avais de la fièvre la veille du départ, j'étais assez malade, je ne savais même pas si j'allais partir. Et c'est vrai que bon, j'étais quand même content de mon résultat, quoi, parce que 9e à Lombard, c'était bien. À vous. Alors, mon meilleur classement dans le Tour de France était 37e. Et en 69, vous avez fait ? J'ai pas le souvenir exact. 55e. 35e. 35e ? Oui, 35e. Ah, c'est mal. Voilà. Et bon, c'est vrai que c'était complètement différent. Chacun courait un peu individuellement. Même si on avait un leader, on avait quand même. On voulait quand même faire son classement. Alors que maintenant, c'est vrai que les gens courent pour leur leader. Et après, ils se relèvent complètement. Et se réserve pour l'étape du lendemain, nous, on ne se réservait jamais. On travaillait pour le leader et ensuite on essayait de faire quand même sa place. On était souvent en état de récupération comme maintenant. Et vous avez eu aussi la chance de participer aux équipes nationales. 67-68, ce sont les 2 dernières années au Tour de France, et par équipe nationale. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Ça a changé beaucoup de choses ou pas? Non, pour nous, non, parce que je n'ai jamais été dans l'équipe nationale, j'étais dans l'équipe B ou C, donc c'est un peu différent et c'est vrai que. C'était certainement bien pour le public, pour reconnaître les maillots et tout ça, c'était beaucoup plus facile. Mais bon, il est difficile de 2 coureurs, comme Anquetil et Poulidor, de courir sous des maillots différents toute l'année et se retrouver équipiers alors qu'ils sont en concurrence toute l'année avec des sponsors différents. Et là, donc à l'époque des équipes nationales, il n'y avait que 30 coureurs français au départ du Tour. Oui. Vous étiez parmi les 30. Je veux dire, les 30 meilleurs coureurs français. On était toujours entre 25 et 30 coureurs. Il y avait trois équipes françaises, A, B et C. Donc, c'est vrai que les équipes B et C, les coureurs étaient beaucoup plus libres. Il n'y avait pas... Voilà, il n'y avait pas de leader désigné. Super leader, voilà. Et après? Après, la vie du coureur cycliste, qu'est-ce que vous avez... Ah oui, alors pourquoi? Il faut expliquer. Oui, l'autre raison aussi pour laquelle vous avez arrêté aussi. Donc l'autre raison, ben, j'avais l'occasion avec mon beau-père de prendre un métier qui me convenait. J'ai toujours aimé la nature et les oiseaux et donc j'avais l'occasion de prendre la direction d'un élevage et un abattoir de cailles, qui est un gibier bien sûr. Et donc bon, j'ai pas hésité parce qu'à ce moment-là, quand j'étais chez Gribaldi, quand on était mal payé, et puis on avait ses ennuis donc, dû au dopage et tout ça, j'ai préféré arrêter tout de suite et reprendre un travail professionnel différent. Et on passe facilement comme ça de cet univers sportif qui est comme... Est-ce qu'on passe facilement de cet univers sportif qui est quand même un petit monde protégé, un petit monde... On fait courir, donc vous vous retrouvez quasiment chef d'entreprise. Comment ça se passe, cette jonction? Mais la transition, c'est vrai, est assez difficile, la reconversion. Mais il est vrai que moi, bon, quand je courais avec M. Demuère ou les autres... Je les prévenais à l'avance. Enfin, ils savaient qu'au mois de septembre, j'arrêtais le vélo et je reprenais qu'au mois de janvier. Alors que les autres faisaient les 6 jours. Enfin, moi, j'ai fait l'ouverture des 6 jours à Grenoble, le premier 6 jours sur Grenoble. Mais donc, j'étais déjà habitué à une petite reconversion. J'arrivais. Autre chose dont on ne parle jamais dans ce sport, c'est vous êtes sur les routes toute l'année. Quand vous courez,
courir. Mais les courses, elles se passent pas à la maison. Le Tour de France, ça se passe certainement le Tour de la France, puis il y a le Tour d'Espagne, il y a le Tour d'Italie, puis il y a les grandes courses. Bref, vous êtes un travailleur immigré. Vous êtes, oui, c'est ça que ça veut dire, on n'est jamais chez soi. Alors ça se passe comment? C'est un avis familial? Est-ce que, est-ce que vous étiez marié à ce moment-là? Oui, j'étais marié, ça n'a pas marché à mon retour. Et souvent, les coureurs ont ce problème-là, ou les grands sportifs en général. Hein, quand ils sont habitués à vivre seuls, et différemment, et se retrouver comme ça, c'est plus difficile à accepter. J'imagine que c'est aussi des choses dont on parle peu, mais bien sûr. Là, vous êtes tout le temps sur les routes, et puis toujours le lendemain, on se retrouve dans une vie familiale. À la même personne qu'on n'a quasiment jamais vue sous le même toit, j'imagine que ce sont des choses pas faciles. Oui, pas faciles. Ça fait partie de la spécificité du métier. Surtout pour les coureurs, surtout pour les coureurs français ou italiens qui sont dans des grands pays. Les coureurs belges, souvent, courent beaucoup de courses en Belgique, ils rentrent chez eux tous les soirs. Voilà. C'est un avantage énorme. Alors qu'en France, vous courez en Bretagne un jour, un autre jour, vous êtes en Alsace, vous ne rentrez pas chez vous entre les courses. Voilà. Alors, ce qui se passe, la différence aussi avec nous, avec les routes maintenant, c'est que nous, on avait des critériums. Donc, il fallait participer au Tour de France. Notre gagne-pain était les critériums après le Tour de France. Oui, c'était un deuxième Tour de France. Voilà. Donc, c'était un deuxième Tour de France. Pour les personnes qui ne connaissent pas bien le vélo, voilà. Ce sont que les critériums. Donc, les critériums, donc, participer au critérium, simplement les coureurs finissant le Tour de France. Donc, il fallait finir le Tour de France. Et la tournée des critériums, ça représentait entre 25 et 40 critériums dans l'année, c'est-à-dire 40 jours de course. À partir du lendemain de l'arrivée du Tour de France. Le lendemain, déjà, on était un critérium. Et donc, on faisait 3-4 critériums dans la semaine. Et vous, alors, les critériums, on se déplaçait. Moi, je me déplaçais avec Jean Dumont ou des fois Roger Pinjon, puisqu'on était à peu près dans la même région. Mais c'est vrai qu'un jour, on était à Lille. Le lendemain, il fallait courir à Marseille. Ensuite, on était en Bretagne. Et on faisait tout ça en voiture. Maintenant, ça n'existe plus. Donc, alors, quel était votre cachet à l'époque? Est-ce que vous pouvez le dévoiler? Vous touchiez combien par critérium? Je sais combien touchait Anquetil et combien touchait Prix d'Or, mais vous touchiez combien? Je crois, si je me souviens sans bon, c'était 800 francs. 800 francs ouais. En 68, disons. Voilà. Alors il faut savoir qu'en 68, juste avant les événements de mai 68, le SMIC était à 380 francs. Il est passé, après les événements, vers 700-800 francs. Voilà, c'est pour situer un petit peu le... Donc quand même, c'était une belle somme. C'était une belle somme. Quand on faisait un critérium, c'est vrai qu'il y a beaucoup de coureurs n'avaient pas le droit de les faire. Il y avait une quinzaine, une vingtaine en France, c'est tout. Oui, c'est ça. Donc, vous étiez privilégié, et là, ça c'était quand même intéressant. Voilà. C'était votre meilleur, financièrement, c'était le meilleur moment pour l'année. Mais avec beaucoup de fatigue, parce qu'on roulait toute la nuit, et on était tous les jours sur le vélo. Et puis, vous payez vos frais vous-même, j'imagine. Ah, puis, on payait nos frais. Il n'y avait pas les autoroutes pour se déplacer. Il n'y avait pas les autoroutes. Il n'y avait pas de limitation de vitesse, mais pas l'autoroute. Vous êtes passé à la parole au public. Si, posez. Allez-y. Non, mais je voudrais que vous participiez, quoi. C'est ça. Bonsoir. Moi j'aurais une question pour parler du cinéma et de la façon dont il a traité le vélo. L'un des derniers films qu'il a bien traité, je pense, c'était le vélo de Guylain Lambert, et qui comme en plus, je pense, à la période à laquelle vous avez couru. Alors je voulais savoir, d'une part, si vous l'avez vu et si vous pensez que c'était fidèle justement à cette époque du vélo. Vous l'avez vu le film le vélo de Guylain Lambert, qui est sorti il y a 2-3 ans? Non, je pas. Non, parce que c'est un film qui se déroule aux alentours de 1970. Donc, mais bon, il n'a pas vu. Je pas vu. Vous pouvez, je sais pas, par rapport au film de Wimaï, je sais pas, vous avez des choses, vos réactions, hein, parce que c'est vrai que ça a tellement changé. Enfin, il y a une chose qu'on a oublié de dire, mais qui est primordiale, il fallait le dire dès le début, c'est qu'à l'époque où a couru Maurice Izier, par exemple en 66, en France, le cyclisme est le sport numéro 1. Et je dirais que le moment où le cyclisme est dépassé par d'autres sports, notamment le football, je dirais que c'est aux alentours de 68-69, il y a un moment de bascule, mais dans les années 60, le cyclisme est le sport numéro 1 en France. C'est-à-dire que si vous vous amusez à consulter les archives, c'est-à-dire les hebdomadaires de sport de l'époque, le miroir sprint, le miroir des sports, vous verrez que les premières pages consacrées au cyclisme
enfin des pages consacrées au cyclisme arrivent en tête. C'était le sport numéro 1. C'est vrai que c'est grâce à un petit, enfin la rivalité, un petit poulidor. Oui, mais c'était un sport qui était numéro 1 depuis les origines, ouais. Et je dirais jusqu'à la fin des années 60. Et donc aujourd'hui, ce n'est plus un sport. C'est devenu un sport, comment dire, c'est toujours un sport populaire, mais ça a été, je veux dire, le football, c'était un véritable, c'est un rouleau compresseur qui a tout écrasé sur son passage. Et il faut savoir qu'à l'époque de Maurice Isier, le football était derrière le cyclisme. C'est un petit détail, mais qu'il était vraiment important de dire. Bonjour, j'ai une question là. Je voudrais savoir si après avoir arrêté votre carrière, vous avez continué à rouler, à l'instar de, enfin, comme on a vu dans le premier film, si vous avez continué à faire du vélo. Puis vous disiez aussi que vous pensiez que vous avez jamais vu souffrir autant sur le vélo. J'aimerais quand même, si vous voulez, nous racontiez votre pire souvenir, aussi votre meilleur souvenir sur le vélo. Alors là, c'est bien le pire et le meilleur. Vous avez quand même dû souffrir quelquefois terriblement. Oui, j'ai souffert terriblement, mais... Je sais qu'il y a une étape dans les Vosges du Tour de France 69, oui. Vous avez eu des problèmes. Vous vous souvenez certains coureurs ne voulaient pas vous laisser sortir du peloton, ils vous accrochaient par la selle. Ça, j'ai eu assez de problèmes. Mais je crois que le pire souvenir, c'est au Tour d'Espagne où j'ai attrapé les amibes. Et c'est vrai que là, j'ai fait 8 à 10 jours avec Dom Janssen qui a gagné. Donc j'étais quand même son équipier, j'étais aussi derrière Dom Janssen. Et pendant plusieurs étapes, j'étais le dernier du peloton et je m'accrochais tous les jours. J'avais perdu énormément de kilos. Quoi. Et vous avez fini ce Tour d'Espagne? J'ai quand même fini ce Tour d'Espagne. Donc j'imagine que vous deviez avoir une tête qui devait ressembler à certains coureurs. Ça, certainement, oui. Je crois que j'étais descendu de 59 kilos, donc c'était le poids le plus bas que j'ai eu. Alors qu'est-ce que ça fait justement dans un grand tour? Le Tour d'Espagne fait partie des trois grands tours. On est dans l'équipe du vainqueur. Là, c'était Jan Janssen qui avait gagné. En plus, dans votre équipe, c'était les deux premiers. C'était donc et Lucas. Alors, comment ça se passe dans l'équipe, l'ambiance? Ça va être quand même. L'ambiance était très bonne jusqu'à mi-parcours. Et ensuite, c'est vrai que je faisais charge avec mon ami Ducas, mais qui n'était pas le leader présumé au départ. Et c'est vrai que M. Demuer, qui était notre directeur sportif, tenait absolument à que ce soit Janssen qui gagne le Tour d'Espagne. Il faut dire que Ducas était maillot jaune. Et que Ducas était maillot jaune. Et donc il est resté maillot jaune pendant une dizaine de jours. Et souvent je le voyais pleurer et tout ça dans la chambre le soir parce qu'il savait qu'un jour il fallait le laisser, que Janssen lui volerait. Bon, donc il a fait ce moment malheureusement pour lui, quoi, parce que bon, une carrière. Et vous, alors comment vous avez réagi là à la fin de ce Tour d'Espagne? C'était quand même l'équipe qui avait gagné. Pour nous, l'équipe avait gagné, donc c'était quand même une très bonne ambiance. Oui, puisqu'on a gagné quand même deux Tours d'Espagne, enfin, moi avec Janssen, et puis, enfin, Janssen et moi. Et puis un Tour d'Hollande aussi, où on a gagné l'étape contre la montre, donc c'était un bon souvenir aussi, contre la montre par équipe. Quels étaient vos rapports avec les coureurs quand vous aviez changé d'équipe? Parce que vous avez couru dans la célèbre équipe Belfort Sauvage Jeune, dont on a parlé avec Henri Anglade et Janssen, et puis après vous êtes parti chez Jean de Grivaldi. Alors quels étaient vos rapports avec les coureurs que vous aviez quittés? Est-ce que vous avez gardé des bons rapports autrement? Ou à partir du moment où vous avez changé d'équipe, c'était la guerre entre les anciens coureurs de l'équipe? Non. Ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, on a toujours gardé de bonnes relations avec tous les coureurs. De toute façon, en général, il y avait une bonne ambiance entre tous les coureurs. Et le meilleur souvenir? Le meilleur souvenir, c'est ce que je disais, je crois que c'est ma victoire à la Ronde d'Auvergne, où j'ai eu. Où j'ai battu beaucoup de très grands coureurs ce jour-là, et c'est quand même une course internationale et une classique internationale. Et très montagneuse avec 4 cols à monter dans la journée, et où j'ai lâché les coureurs les uns après les autres, et pour finir devant Julio Jiménez, qui était le meilleur grimpeur mondial actuel. Non, je pour en revenir un petit peu à la relation charnelle qu'on a avec de la pratique du vélo jusqu'à ce qu'on ressent autour de soi quand on pédale. Je vais demander à Maurice quelles sont pour lui les meilleures sensations qu'il a à vélo, si c'est en haut d'un col, si c'est dans la descente. Voilà. On en parlait aussi tout à l'heure. C'est vrai que toute ma
carrière amateur, j'ai été un très bon grimpeur. Je passais souvent l'école en tête, et même autour de Romandie, autour de Suisse, où j'étais amateur, je crois, avec les professionnels, j'étais au sommet avec Tacon, et, enfin bon, des tas de coureurs italiens qui étaient renommés de très bons grimpeurs. Et puis après, bon, en étant passé professionnel, j'ai perdu un peu de ce punch en montagne, parce qu'on roulait beaucoup plus, et moi ça ne me convenait pas. Vous n'aviez pas, vous n'avez pas assez de plages de repos comme font les coureurs aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Ils font des coupures. Vous auriez eu besoin de coupures, mais votre directeur sportif, voilà, ne vous les donnait, ouais, pas. Il vous obligeait à courir tout le temps. Alors que j'ai des périodes où ça aurait été bien de vous arrêter. J'ai une anecdote, là, oui, justement, parce que Bande de Mueur était un fondu de... enfin, il fallait rouler et tous les gars étaient dans le même sac. C'est vrai que moi, j'avais un ami qui était Winnie Monti, qui était belge, mais un vallon. Et où on faisait chambre ensemble, donc chez Belfort, souvent, et qui n'aimait pas rouler non plus. Et lorsqu'on a gagné le Tour d'Hollande, je me rappelle donc où il y avait encore Van Looy, il y avait tout ça, et où on a gagné le Tour d'Hollande, les étapes faisaient 200 km, et le matin, Monsieur de Meyer nous obligeait à rouler 60 ou 80 km derrière le dernier. Donc on partait à 7h du matin, on allait faire 80 km, on se changeait, et après il y avait l'étape de 200 km à faire derrière. Et il fallait conserver le maillot en plus. Et donc ça, c'est vrai que ça m'a usé, et moi je n'avais pas l'habitude de m'entraîner, de courir de cette façon-là. Moi je me souviens qu'en début de saison, on descendait dans les camps d'entraînement, parce que maintenant ça se passe à l'étranger, bien sûr, dans les pays chauds, et nous on descendait simplement sur la Côte d'Azur. Et moi je descendais avec 700 ou 800 km d'entraînement, moi je recommençais le 1er janvier, et d'autres gens avaient 3 ou 4 000 km, mais je les suivais facilement, je faisais toujours dans les 10 premiers sur les... course de Côte d'Azur. Donc j'avais pas besoin de beaucoup d'entraînement. Qu'est-ce qu'on fait par exemple sur une course aussi longue qu'un Tour de France, donc qui dure 3 semaines, pour ne pas s'ennuyer après, la course se termine à 5h, bon, après on va manger, on se nettoie et tout ça, mais il n'y a pas la télé dans les chambres, il n'y a pas de jeux vidéo. Comment on occupe le temps? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que je disais tout à l'heure, il faut faire ça. Les femmes sont malades, sont restées à la maison. Il faut laver les chaussettes tous les jours. C'est vrai que ça passe assez vite, hein, parce que bon, il fallait rejoindre l'hôtel, on n'était pas souvent sur place, donc souvent en 10-15 km. Le temps d'arriver, on avait une petite collation en arrivant, et ensuite bon, il fallait se doucher, souvent à tour de rôle, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de douches. Et on passait sur la table de massage en fonction de l'arrivée de l'étape, donc il fallait se battre pour être dans les premiers, parce que souvent les seuls 5 premiers étaient massés le soir. Parce que sinon, ça reportait à minuit ou 1h du matin, il valait mieux avoir 1 heure de plus de sommeil que de se faire masser. Donc on arrivait à faire des 3 ou 4 étapes sans massage du tout. Et puis à l'époque, les étapes étaient beaucoup plus longues, ah ouais, donc on passait beaucoup plus d'heures sur le vélo. Ah ouais. Quand on voit qu'aujourd'hui, bon, ils roulent à 50 de moyenne, voilà, ils font des étapes de 150 km, ça dure 3 heures. Bon, à l'époque, vous aviez des étapes de 6 heures, ah oui, sans problème. Ah ouais. Ouais, on a eu des étapes, je disais, de 360 km. Bon, on a fait 11 heures de vélo quand même. Tout à l'heure, vous disiez que ça vous arrivait quand même, j'ai pas mal, même prendre un verre en ville avec des coureurs d'une autre équipe, parce que c'est toujours du coup, voilà, c'est hyper protégé, la course est finie, tout le monde à l'hôtel, ils ont même interdiction par l'ordinateur sportif de se parler entre équipes, enfin, Là, il y a Robert Chapat qui raconte dans un de ses livres, dans un Tour de France du début des années 50, un jour il était dans le peloton avec son grand copain Guy Capu. C'était les deux grands compères, et un jour, il y a Bartali, qui était le grand champion de l'époque, qui vient rouler à côté d'eux, et qui commence à leur parler. Ils sont très étonnés, ils sont deux petits coureurs, comment le grand Bartali vient discuter avec eux, puis ils discutent, ils sympathisent, puis Bartali leur dit, bah, écoutez, ce soir, venez, on va discuter, venez dans ma chambre d'hôtel, on va discuter, tout ça, je trouve sympa. Alors, ils sont très étonnés, donc, à l'arrivée le soir, rendez-vous est pris, ils vont dans la chambre de Bartali. Et ils sont très surpris quand ils arrivent, quand ils ouvrent la porte, c'est complètement enfumé. Bartali est en train de fumer une cigarette, ils sont très surpris, puis on voit qu'il a fumé plusieurs cigarettes, c'est plein de fumée. Et ils discutent, ils refont le monde jusqu'à minuit, et Bartali, jusqu'à minuit, il fume un paquet de cigarettes, en plein Tour de France. Alors là, quand ils rentrent le soir, ils disent, quand ils quittent Bartali, ils disent, c'est incroyable ce type-là, c'est en plus, il est le plus fort, et en plus, il fume un paquet de cigarettes tous les soirs,
Alors ils se sont posé la question, est-ce qu'il a fait ça une seule fois dans le Tour de France pour les impressionner et qu'après ils vont raconter à tout le monde que Bartali, non seulement il est le plus fort, mais qu'en plus il fume un paquet de cigarettes le soir. En fait, ils n'ont jamais eu la réponse, mais c'est, voilà, il se passait des choses, il y avait des échanges entre coureurs comme ça, de différentes équipes, qui pouvaient se retrouver donc à votre époque encore. Oui, à notre époque encore. Oui, on avait souvent plusieurs équipes dans le même hôtel. Maintenant, ça n'existe plus. Ils sont souvent assez loin les uns des autres. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Tassali qui me disait qu'il buvait un verre de whisky tous les soirs, deux quand il gagnait et trois quand il battait copie. C'est bien. Oui, oui, ça c'est. Bon, on ne peut pas rester. Ah, ouais. Moi, ce n'est pas une question à Boris Cizier, mais c'est, une question, c'est plutôt une remarque sur les deux films qu'on a vus. Que les montages sont assez formidables. Ouais, le montage à partir du final où on voit les gars qui souffrent à vélo et très rapide, plus en plus rapide. C'est un film formidable. En film sur le podium, et même dans le film de Nicolas Philibert, le montage est très très bien. On remarque des fois. Alors, ce n'est pas une question sur le vélo. Très pertinente. On peut peut-être en rester là et passer à la suite. Veux-tu te présenter? Je peux te présenter. Sauf si encore des questions, hein. Ah oui, vous n'avez pas répondu si vous avez continué à faire du vélo après la fin de votre carrière. Lorsque j'ai arrêté pendant 10 années consécutives sans monter sur un vélo. C'est vrai que j'avais fait que 5 Tours de France, mais bon, j'avais couru depuis l'âge de 14 ans. Et puis je me suis arrêté, j'étais vraiment quand même dégoûté, comme on a dit, avec l'équipe de Garibaldi, on était à nous-mêmes, où il fallait faire le mécanicien, il fallait tout faire. Et donc, et puis après, ce sont des amis qui sont venus me rechercher, ils m'ont dit, oh, si, il faut faire du vélo pour venir avec nous, pour nous donner conseil. Et puis à la suite de ça, donc, je suis reparti un petit peu en vélo. Et puis après, je me suis occupé d'un jeune à Creil, qui après a participé quand même à l'équipe de France et qui a fait des tours internationaux en tant qu'amateur. Donc j'étais très content de pouvoir suivre une grande équipe de cyclistes amateurs. Et puis bon, après il avait le choix de passer professionnel parce que j'avais des moyens, j'avais des contacts avec Guimard, j'avais toujours des contacts avec plusieurs directeurs sportifs pour essayer de prospecter dans ma région. Et puis c'est vrai que bon, je lui ai laissé le choix parce qu'il avait ou continué les études ou faire vélo, mais je lui ai laissé entendre que le vélo c'était quand même un peu aléatoire et qu'il suffisait d'une chute pour mettre une carrière en péril. Donc, et puis il y avait ces histoires de doping qui l'impressionnaient beaucoup. C'était un jeune intelligent et donc il a préféré arrêter carrément le vélo et continuer ses études. Alors qu'est-ce que ça fait le jour où on signe son premier contrat pro? Le jour où vous avez signé votre contrat à l'équipe Belfort, qu'est-ce que ça fait là? Oui, ben je crois qu'on ne réalise pas trop quand même quand on se trouve dans le gratin du cyclisme. Hein. On en a rêvé depuis longtemps et puis bon, ça se passe normalement. Hein. Oui, mais là, au moment où on signe, on se dit on va peut-être faire une grande carrière, on a plein d'ambitions. Je ne sais pas. Oui, mais bon, j'avais eu l'occasion déjà donc, de côtoyer les professionnels en tant qu'amateur dans le Tour de Suisse et le Tour de Romandie. Donc c'est vrai que le passage s'est fait en douceur, si vous voulez. Oui, c'était très bien. Donc à l'époque, courait Maurice Cizier, il y avait une catégorie intermédiaire entre les amateurs et les professionnels. Ils s'appelaient les indépendants. Ils pouvaient courir aussi bien avec les amateurs qu'avec les professionnels. Et c'était très bien pour des coureurs qui voulaient passer professionnels. Ça leur permettait déjà de courir avec des professionnels. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'indépendants qui ne sont jamais passés professionnels parce qu'ils ont compris que ça serait trop dur pour eux. Donc c'était une catégorie qui était très utile, voilà, qui a été très utile. Une transition très utile. Donc, je présente le film de Luc Goulet. Eh oui, parce que tu es dedans. Oui, enfin, ce n'est pas une raison suffisante. Mais donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Luc Goulet, c'est un cinéaste qui a déjà une longue carrière, qui a fait son premier film en 1960, et qui a débuté très jeune comme critique de cinéma au Cahiers du cinéma. Il a commencé à 19 ans, il a écrit ses premiers textes en 1956. Il était le plus jeune des Cahiers à l'époque, et il était le chouchou des Cahiers. C'est-à-dire que tous les grands, les gens comme Truffaut, Godard, etc., l'avaient pris sous son aile, parce que c'était le petit dernier. Ils étaient tous très gentils avec lui, et donc, voilà,
La carrière de Boulet a commencé comme ça. Il a fait son premier court-métrage en 1960, son premier long-métrage qui s'appelle Brigitte et Brigitte en 1966. Et donc, il a continué. Il fait un cinéma absolument unique, je dirais. C'est une sorte de pince sans rire. C'est un cinéaste avec un humour... Je ne connais pas d'autre cinéaste qui a l'humour de Boulet. C'est-à-dire que c'est un humour qui est complètement décalé. Ce n'est même pas un humour à la Jacques Tati, donc, parce que souvent, on compare Boulet à Jacques Tati. Mais c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'avec Boulet, on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon. Quand on est dans un film de fiction, on se demande si on n'est pas dans un documentaire. Dans un documentaire, on se demande si on n'est pas dans un film de fiction. Et tous ces films sont comme ça. Il y a une sorte de décalage comme ça. Moulet, donc, en plus, il est acteur souvent dans ses films. Donc, dans le film que vous allez voir, c'est un film qui est consacré au cyclotourisme. Donc, il faut savoir que Moulet, dans sa jeunesse, a fait beaucoup de vélo. Il a fait beaucoup d'épreuves cyclosportives. Il n'a jamais fait de compétition, mais il faisait du vélo pour le plaisir. Et notamment, quand il était jeune, parce qu'il est originaire des Alpes du Sud, il faisait le rallye du Parpaillot, qui était une épreuve assez difficile, qui partait d'Embrun, dans les Hautes-Alpes, qui montait le col du Parpaillot, qui était un col qui était en grande partie muletier, c'est-à-dire qu'il n'était pas goudronné, qui montait à 2630 mètres, qui descendait après à Barcelonnette, et il faisait une grande boucle, et il revenait à Embrun, je ne sais pas, il y avait 130 ou 140 km. Et donc, en 1992, Boulet a fait donc un film pour se remémorer d'une certaine façon ses jeunes années de cyclotouriste. Et en fait, c'est une sorte de film burlesque, on peut dire ça, et avec, disons, un peu tous les, comment dire, tous les travers du monde du vélo, vu d'une façon très drôle. Alors, le film a vraiment été tourné entièrement dans le col du Parpaillon. J'y ai participé très modestement, mais ce fut terrible, parce que dans le cinéma, on peut tout prévoir, mais il y a des choses qui sont imprévisibles. Et en cette année, c'était en juin 1992, il y a eu, comme cette année, un printemps pourri. C'est-à-dire que le film est censé se passer sous la canicule, sous le Cagnard, et il y a eu des tempêtes de neige à répétition. Donc il a fallu arrêter le tournage plusieurs fois, il a fallu le reprendre, mais bon, c'était quand même un film à petit budget qui était produit par Arte, donc ça a été très préjudiciable, c'est-à-dire qu'il y avait certaines choses que je sais que Luc Boulet n'a pas pu faire, parce que le nombre de jours qui lui étaient appartis, bon, ils ont dépassé nettement le nombre de jours de tournage. Malgré ça, je pense qu'il a réussi à ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire quelque chose de très décalé sur ce monde du cyclotourisme. Voilà. Donc, c'est un film. Alors, pour la petite histoire, qui va sortir en DVD sans doute à la rentrée, il est prévu un coffret de la plupart des films de Luc Boulet en DVD qui doit sortir à la rentrée. Donc, je le signale parce que j'ai des internautes qui m'ont demandé où ils pouvaient voir le film. Donc, normalement, on devrait le voir. En DVD, et puis il est passé trois fois sur Arte, c'est-à-dire qu'il était passé une première fois parce qu'il avait été produit par Arte, et il avait connu un très beau succès, donc il est repassé une deuxième, puis une troisième fois. Ce qui est bien, parce que souvent ces films-là, qui sont produits par une chaîne, ils ne passent qu'une fois, et après ne les revoient plus. Donc ça, c'est très important que ça ait marché. Quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas, bonne route. Le film se déroule sur le col du Parpaillon, il doit faire entre 20 et 25 km. Voilà. Donc c'est un film qui se déroule sur 25 km, avec toutes les anecdotes possibles. Je vous laisse découvrir. Je te remercie. Il n'y aura pas de débat après cette projection-ci. Et bon, je tiens quand même, en notre nom, tous à remercier vous, Cizier, d'être venu dans une salle de cinéma pour parler de ce métier et pour rencontrer ça. Oui, ben c'est moi. En honneur pour nous, et je vous remercie. Merci. Thank you.
La 22e et dernière étape du 55e Tour de France comprend deux demi-étapes. La première, courue ce matin, mène les 63 rescapés d'Auxerre à Melun sur 136 km. Ici, le maillot jaune de Van de Springel, qui réfléchit bien entendu qu'il n'a qu'une faible avance, notamment sur Ferdinand Brack, qu'il précède au classement général d'une minute 56 secondes. L'Allemand Rolf Wolfscholl est également très bien placé, il a porté le maillot jaune dans ce Tour de France. Ici Roger Pinjon et Yann Janssen qui se sourient, qui se congratulent, qui plaisantent dans le peloton. Bide aussi, lui, est beaucoup plus sérieux, il s'alimente, il prend des forces. San Miguel est deuxième au classement général à 12 secondes seulement. Ces chevaux, bien entendu, viennent concourir avec les géants de la route. Et ici, Maurice Izier qui est parti au 63e kilomètre après Courtenay. Maurice Izier de l'équipe de France C, qui démarre de son numéro 27, il va rapidement augmenter son avance, une avance qui va passer de 2 minutes, puis à 4 minutes 10, alors que derrière, l'Allemand Wild a démarré, de même que le Suisse Brand. Maurice Izier, ici, en gros plan, vous voyez l'effort d'un coureur cycliste, le visage tendu vers l'avant, il souffre terriblement sur sa bicyclette. Maurice Izier est d'ailleurs un excellent coureur, il est né à Crest, il a 24 ans, et vous le voyez ici remporter la première demi-étape. Il lève les bras sur le stade encendré de la piste de Melun. Il est épuisé. Il a remporté cette avant-dernière étape du Tour de France. Derrière lui va arriver l'Allemand Wild qui termine à quelques 3 minutes et qui franchit ici sous vos yeux la ligne d'arrivée. Ensuite va arriver le Suisse Brand, qu'il ne faut pas confondre avec le Belge Brands. Ici c'est le Suisse Brand qui prend la troisième place de cette étape. Et enfin le peloton qui arrive maintenant, dont le sprint est emmené ici par le Belge, cette fois Brands. Brands en maillot sombre qui est en tête d'ailleurs ici devant Franco Bitossi. Brand va donc prendre la quatrième place, Bitossi la cinquième, Bitossi qui bien entendu est le leader du classement par points, donc remporte définitivement le maillot rouge. Et maintenant, nous allons être au départ de l'étape importante de la journée, c'est-à-dire l'étape contre-la-montre. Thank you.